Nous, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et l'honneur de signer avec Madame la Ministre une convention qui va engager à la fois le ministère et la cellule de crise et notre syndicat à mettre à la disposition de l'ensemble du public, de l'ensemble des professionnels, Ariane. Ariane est un outil extraordinaire pour justement permettre à tous ceux de nos concitoyens qui partent à la découverte du monde pour leur plaisir ou pour leur travail, de se sentir suivis, pas suivis dans le mauvais sens du terme, mais protégés dans le cas où il arriverait quelque chose dans un des pays. Et on doit dire que depuis quelques années, les événements géopolitiques, des événements météorologiques, des événements même sanitaires arrivent, nos concitoyens vont partir et il faut qu'ils partent à la découverte du monde, mais il est bien qu'ils prennent la responsabilité aussi de dire où ils vont et éventuellement le point de contact qu'on peut avoir avec eux ou alors un point de contact également en France. L'événement d'aujourd'hui, c'est la concrétisation finalement de ce que nous avons fait, c'est la possibilité de le faire connaître. Il ne suffit pas de développer et de créer un nouvel outil ou un bel outil et que personne ne le connaisse, ça n'a pas de sens. On voit bien que 80 000 personnes se sont inscrites l'année dernière sur les 13 millions, c'est quand même fort peu. Donc notre idée, c'est de pouvoir faire connaître l'outil Ariane et puis aussi avec les professionnels du voyage, de travailler en collaboration avec eux, de coopérer au plus près pour bien montrer que ce volet sécurité, en fait, est l'affaire de tous, de ceux qui s'occupent du transport et des voyages des personnes et de l'État, bien sûr, avec sa responsabilité morale de protection et d'accompagnement. Au même titre que on recommande aux gens avant de partir de se vacciner, de se renseigner sur le lieu de destination, de bien veiller à ce que leur visa soit à jour, mais ils leur demanderont aussi d'avoir le réflexe de s'inscrire sur Ariane, hein, d'où le slogan « Pour votre sécurité, restez connectés ». Donc ça va devenir un des éléments du paquet global que proposent les tours opérateurs pour la sécurité de leurs clients.